Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour souligner la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Comme vous le savez, il y a 33 ans, la fusillade de l'École polytechnique a coûté la vie à 14 femmes. 14 jeunes femmes qui avaient la vie devant elles. Et à la lumière des nouvelles de la semaine dernière, entourant la coalition pour les armes à feu, je peux vous dire que les mots me manquent. Exploiter cette tragédie à l'aube des commémorations est tout simplement odieux, dégoûtant, écœurant. On attend toujours des excuses de leur part. Nous sommes de tout cœur avec les victimes et les survivants et survivantes, et nous ne tolérerons jamais toute forme de violence faite aux femmes au Canada comme à l'étranger. Maintenant, vous avez probablement tous pris connaissance du rapport 10 portant sur les prestations spécifiques liées à la COVID-19 déposé par la vérificatrice générale ce matin. Dans un premier temps, je tiens à remercier la vérificatrice générale ainsi que son équipe pour la préparation de ce rapport et ses recommandations. Je suis particulièrement fière de voir que son rapport reconnaît, lui aussi, que nos programmes d'urgence ont bien fonctionné. Pas besoin de vous dire que ces programmes ont non seulement sauvé des vies, mais également notre économie, en aidant les Canadiens à mettre du pain sur la table, à garder un toit au-dessus de leur tête en ces temps sans précédent. Comme vous le savez, la COVID-19 a été la plus grosse crise que le Canada a eue à gérer depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'Agence a été mise à contribution pour déployer en un temps record les mesures économiques d'urgence du gouvernement et avait une mission claire: faire parvenir le plus rapidement possible de l'argent aux Canadiens et aux entreprises. Encore une fois, je tiens à féliciter les fonctionnaires de l'Agence et à leur dire à quel point je suis fière de leur travail et du travail historique qu'ils ont accompli. Leur dévouement à servir les Canadiens d'un océan à l'autre est tout simplement remarquable et nous leur devons beaucoup. Maintenant, bien que nous accueillons positivement les recommandations de la vérificatrice générale, je ne peux pas passer sous silence notre désaccord avec certaines conclusions du rapport, plus particulièrement l'estimation des trop payés liés aux subventions aux entreprises. Suite à ces analyses et vérifications du programme de la subvention salariale d'urgence du Canada, l'Agence a constaté que la grande majorité des entreprises canadiennes ont bel et bien fait des demandes de prestations de bonne foi. L'Agence continue son laborieux travail de vérification et bien qu'il soit trop tôt pour se prononcer sur le montant total des trop payés, les résultats jusqu'à maintenant suggèrent un niveau de conformité plus élevé que celui estimé par la vérificatrice générale. On peut donc s'attendre à un trop payé réel beaucoup plus bas que les chiffres qui ont été annoncés dans le rapport. L'Agence continue d'aller de l'avant avec ses activités de conformité et de recouvrement et reste confiante de récupérer les sommes. J'aimerais aussi vous rappeler que ces entreprises connaissent les pratiques de l'Agence et savent qu'elle est capable d'aller chercher l'information qu'il lui faut pour faire respecter la loi. Pour mieux comprendre notre position, autant pour la subvention salariale que la PCU, j'aimerais m'en tenir aux faits et au contexte dans lequel nous les avons développés. Premièrement, notre gouvernement a déterminé que dans les circonstances, les demandes basées sur une attestation étaient non seulement la façon la plus efficace et rapide de mettre sur pied nos programmes, mais aussi la seule façon. Dans le contexte où plusieurs Canadiens venaient de perdre leur emploi à ce moment-là, l'argent devait se rendre dans leur poche sans délai. Le statu quo n'était pas une option. Et sans surprise, rajouter des paramètres et des critères supplémentaires aurait eu pour effet de retarder les lancements des prestations, et nous savions que les Canadiens ne pouvaient tout simplement pas se permettre d'attendre.
Notre gouvernement a fait la bonne chose et a répondu présent au bon moment pour les aider. Deuxièmement, j'aimerais rappeler que nous avons été clairs dès le début. L'admissibilité aux prestations allait être vérifiée une fois que les données fiscales requises allaient être disponibles. Si l'on se souvient bien, en 2020, l'Agence n'avait pas les données fiscales de 2019 lui permettant, par exemple, de confirmer le revenu des personnes qui demandaient la PCU. De plus, la saison des impôts avait été prolongée jusqu'au 30 septembre. Rappelons-nous aussi qu'à cette période, les vagues de COVID-19 qui se succédaient, l'angoisse des Canadiens était à son comble et dans ce contexte, la priorité de l'Agence était de répondre à leurs besoins les plus urgents. Maintenant, nous avons des vaccins et nous avons évolué avec la pandémie. Et ces données fiscales, l'Agence les a maintenant. C'est d'ailleurs pourquoi son travail de vérification est bien amorcé et est loin d'être terminé. Jusqu'à maintenant, je peux vous confirmer que l'Agence a émis plus de 1,1 million d'avis de cotisation en lien avec les trop payés, qui totalisent 3,2 milliards de dollars. Et ces chiffres continuent de grimper à l'heure où je vous parle. Ces vérifications se font dans le respect et la philosophie de l'Agence, les gens d'abord. Ça veut dire que l'Agence ne placera jamais un Canadien dans une position où il doit choisir entre mettre du pain sur la table ou les rembourser. Je veux que le message soit clair. Si vous avez reçu un avis de dette, il est important de communiquer avec l'Agence. Nos agents sont formés et prêts à discuter de votre situation pour trouver une entente qui respectera votre capacité de payer. En terminant, j'aimerais rappeler qu'au-delà des chiffres et des statistiques indiquées dans le rapport de la vérificatrice générale, des vies humaines étaient en jeu à ce moment-là. Et notre gouvernement n'a jamais hésité à faire les choix nécessaires pour aider tout le monde à passer au travers de cette période difficile. Notre gouvernement a livré, livre et livrera des résultats concrets pour tous les Canadiens. Et avant de céder la parole à mes collègues, j'aimerais mentionner que les responsables de l'Agence sont ici avec nous aujourd'hui et sont disponibles si vous avez des questions d'ordre plus technique après la conférence de presse. Et maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue, la ministre Carla Quattro. Merci. Hi, everyone. So I, too, would like to begin by thanking the Auditor General for her work on this report. As my colleague has said, and as the report indicates, the individual supports and programs in questions achieved their goals of getting money into the hands of Canadians quickly, of allowing them to stay safe and home safely while avoiding severe social and economic consequences. I remain incredibly proud of the way our government responded to the economic and public health challenges of the pandemic. These unprecedented income supports directly helped millions of people, including the most vulnerable in our society, at a time of global economic and public health uncertainty. These benefits kept the economy afloat at a time of unprecedented risk. They kept people out of poverty, addressed income inequality, and facilitated Canada's economic rebound. With the support of Parliament, the government implemented attestation-based processes as the most effective way to get money into the hands of Canadians rapidly. The approach is acknowledged as a best practice by the International Public Sector Fraud Forum. We made it clear that eligibility would be verified after, and this process remains ongoing. We use a risk-based approach and focus post-payment verification activities on the highest risk files. To date, ESTC has sent over 50,000 fact-finding letters to potentially ineligible recipients requesting proof of eligibility, and we've also issued 1.8 million overpayment notices to individuals to reconcile advance payments of emergency benefits. And we've recovered $1.3 billion to date. We have a strong plan to conduct post-payment verification, and we are carrying out this work methodically. We have the resources to perform these integrity measures. We appreciate the Auditor General's recommendations. They will absolutely inform our work going forward.
Though the worst of the pandemic may be behind us, Canadians continue to face significant challenges, including the rising cost of living and high debt loads. Our approach will continue to be to put Canadians first. We'll work with individuals to establish flexible repayment schedules as needed, with an eye to their ability to pay. To date, over 150,000 Canadians have set up flexible payment arrangements that suit their individual financial situations. And as we finish the fight against COVID, we will continue to have their backs. Thank you. I pass it on to Minister Duclos. Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite moi aussi tout d'abord souligner le 33e anniversaire du terrible attentat à l'École polytechnique. Nous nous souvenons des victimes et de leurs familles et de leurs amis, et nous continuerons de faire tout ce qu'il faut pour rendre notre pays plus sécuritaire pour toutes et pour tous. Je souhaite souligner aussi l'important travail effectué par le Bureau du vérificateur général et le remercier pour son audit de performance sur les vaccins contre la COVID-19. Compte tenu des efforts sans précédent qui ont été déployés pour obtenir, homologuer et distribuer les vaccins contre la COVID-19 au pays, j'accueille favorablement les observations du Bureau du vérificateur général. The OAG report found that the Government of Canada procured sufficient supply, expedited regulatory authorization, while maintaining due diligence of the regular processes, provided timely distribution, and ensured equitable access to safe and effective COVID-19 vaccines. And while Canada's overall COVID-19 immunization strategy has been a success, improvements can and should always be made. With that in mind, our priority remains the ongoing protection of the health and safety of Canadians. Au début de la pandémie, personne ne pouvait prédire quel candidat vaccin serait efficace. Avec une demande mondiale élevée, notre gouvernement a clairement établi que nous investirions dans de multiples candidats vaccins. Cela a permis d'assurer l'accès rapide à des vaccins efficaces et sécuritaires contre la COVID-19. This strategy, while producing a surplus, proved very successful. Canada was among the first three countries in the world to administer doses in December 2020. Le gouvernement du Canada continuera de veiller à ce que le pays dispose d'une quantité suffisante de vaccins contre la COVID-19, tout en prenant des mesures importantes et responsables pour gérer nos stocks de vaccins. Additionally, as recommended in the audit, the Government of Canada will continue to engage provincial and territorial immunization programs to seek opportunities to further advance and enhance vaccine data sharing and COVID-19 vaccine monitoring. To this end, I also strongly welcome the call to action by the OAG to expedite work to complete the Pan-Canadian Health Data Strategy, as well as other actions noted in the audit, to resolve important barriers to better use and sharing of important health information across our health system with Canadians themselves, with provincial, federal, and territorial governments, with the goal of supporting the quality and the safety of care across Canada. Thank you. Merci. Miigwech. Well, good afternoon, everyone, and I join my colleagues in thanking the Auditor General for her report. I'd also like to thank all the hardworking staff at Public Services Procurement Canada for their work ensuring that we had vaccinations for Canadians. And so, as the Auditor General said, Canada's vaccine procurement was both effective and efficient. So, notwithstanding the urgency of the situation, there was care taken, due diligence in the handling of the contracts. Le travail effectué pour obtenir ces contrats a contribué à faire en sorte que le plus grand effort de vaccination de notre histoire soit également l'un des plus réussis. Thank you so much. Merci. Report identified 32.5 million vaccines in your inventory with no home for them, plus an additional 20 million waiting for an international donation, plus 13 million that had expired. I'm wondering if you can give us updated numbers, because those numbers were from May.
Thank you. So the OAG report points to $13 million, million doses would have been destroyed outside of Canada. So that was in large part due to AstraZeneca's doses, which couldn't be used inside Canada. As of now, there are approximately 10.8 million doses of vaccines of all sorts that were either destroyed or have expired in Canada. In total, so as of December 1st, a few days ago. Monsieur Duclos, sur le partage de données, la vérificatrice générale le mentionne, ça fait depuis 1999 que c'est un problème de ne pas avoir une entente sur le partage d'informations. Elle dit que c'est urgent d'y remédier. Alors, où ça bloque? Est-ce que ça bloque du côté du fédéral? Est-ce que ça bloque du côté de plusieurs provinces? Où ça bloque exactement? Mais avant la COVID, ça bloquait, entre autres, au point de vue de la technologie, donc technologie pour permettre de partager les informations. Mais avec la COVID-19, la technologie est maintenant en place. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'accélérer le partage d'informations des provinces et des territoires vers le gouvernement canadien pour que l'Agence de la santé publique puisse mieux planifier et mieux utiliser les doses de vaccins qui sont disponibles. Mais c'est un enjeu beaucoup plus large. On est en 2022 au Canada. Notre système de santé, notre système de données en santé n'est pas un système de classe mondiale, il est un système de classe médiocre. Par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde, nous ne pouvons pas suffisamment utiliser les données individuelles sur la santé pour protéger la sécurité et la qualité des soins. Donc, on a beaucoup de travail à faire, incluant sur les vaccins, parce qu'au Canada, pour la COVID-19, les vaccins COVID-19, on a fait quand même plutôt bien, certainement par rapport à pré-COVID-19, mais il y a beaucoup d'autres informations sur d'autres vaccins qu'on n'a pas présentement au gouvernement canadien, ce qui nous empêche d'aider les provinces et les territoires à faire un meilleur travail en matière de vaccination. Est-ce qu'on parle des mêmes données, même partage de données que dans le cas des transferts en santé? Vous avez parlé des discussions là-dessus quand vous avez rencontré vos vis-à-vis provinciaux, territoriaux. Est-ce qu'on parle vraiment de la même chose, puis où ça peut poser d'autres problèmes là, au-delà des vaccins? Bien, ça parle essentiellement de la même chose. Les vaccins, les traitements, les médicaments, les équipements, les techniques cliniques, tout ça, là, on est en 2022. On devrait être davantage capable au Canada de partager et d'utiliser ces informations importantes pour les gouvernements. Mais ce qui est plus stratégique, ce qui est plus important encore, c'est l'important pour les travailleurs de la santé, pour les patients qui ont besoin d'avoir accès à ces informations individuelles plutôt que d'utiliser des fax ou des bouts de papier pour pouvoir s'assurer que les gens reçoivent des soins de qualité et sécuritaires. Donc, ça fait partie d'un gros agenda. Pour les vaccins, par exemple, en Ontario, il n'y a pas encore de... Ce n'est pas juste en Ontario, c'est pareil à l'échelle du pays. Il n'y a pas de système pour les enfants, par exemple, il n'y a pas de système qui nous permet de connecter les infirmières, les médecins, les techniciens de laboratoire pour savoir si un enfant est vacciné. Fait qu'un enfant arrive à la salle d'urgence, à l'hôpital, puis l'infirmière ou le médecin n'est pas capable de savoir si cet enfant-là est vacciné parce qu'on n'a pas en 2022 de technologie pour partager ces informations au niveau patient et au niveau travailleur. C'est là le gros enjeu dont on a parlé, entre autres, à Vancouver il y a quelques semaines. Madame Leboutillier, la vérificatrice générale dit qu'il y a un manque de rigueur dans le recouvrement des sommes. Qu'est-ce que vous répondez à la vérificatrice générale à ce sujet-là? Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'Agence du revenu a énormément de rigueur dans le travail qu'elle fait. On l'a vu, puis je l'ai mentionné, pendant la COVID, on a été là pour aider les gens, puis on a vraiment sauvé des vies. En fin de semaine, j'étais encore sur le terrain. Je rencontrais des entrepreneurs qui me disaient, là, si vous n'aviez pas été là, moi, je ne serais pas là pour vous parler aujourd'hui. Donc, on a sauvé des emplois, on a sauvé des gens, on a sauvé des familles, et je suis convaincue que chacun d'entre vous ici présents avait eu des parents, des familles, des gens que vous connaissez qui ont été aux prises avec la COVID. De recouvrir ces sommes-là aussi efficacement que de les avoir données dans le premier cas, finalement. Avez-vous surveillé la TPS? Le travail de vérification est débuté. Les lettres ont été envoyées. On va le faire au cas par cas. On va vraiment supporter les Canadiens. On l'a dit, il n'y aurait pas de pénalité, il n'y aura pas d'intérêt. On veut récupérer les sommes, on va récupérer les sommes. Mais la vérificatrice générale dit que c'est le plan là, actuel, il n'est pas suffisant. Elle demande un plan plus exhaustif pour mener des vérifications plus étendues que celles qui sont déjà prévues. Donc, est-ce que vous allez présenter un nouveau plan?
Écoutez, on a un plan pour moi, puis avec l'agence, avec les discussions qu'on a eues, on a un bon plan. On travaille avec la population, on travaille avec les gens. C'est un travail, on le dit, de plusieurs années, mais le travail est bien entamé. Et avec les entreprises, le travail avait débuté un an avant les vérifications avec la PCU. Les entreprises collaborent bien. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Je l'ai mentionné. Il faut se rappeler là, qu'en 2020, lorsque la COVID est arrivée, la saison des impôts s'est terminée le 30 septembre. Il y avait des données que nous n'avions pas à ce moment-là. Puis après le 30 septembre, 5 mois plus tard, on était dans l'autre saison des impôts. Donc, il y a énormément de travail qui s'est fait par l'agence. On a les données, on travaille avec notre monde, on a embauché, mais on va être là pour supporter les Canadiens. Puis je vous dis, la COVID n'est pas terminée, là. Can we accept the questions in English? So the questions in English for Madame Qualtrough. The government disagreed with one of the key recommendations of the Auditor General, which was to be more aggressive in going after this $27 to $30 billion. Essentially, it seemed like they said, well, we'll do a risk-based approach, and your recommendation is not cost-efficient. Can you explain the government's, why do they disagree with that recommendation? Let me take you back. So at the beginning, we decided to go with this attestation-based approach that worked very well, and the Auditor General agreed with that. We then followed up, and we reviewed every single application. So every application was reviewed. We then, for lack of a better way of putting it, bucketed the follow-up we needed to do. Was it related to an advance payment? Was it related to getting two payments in one payment period? Was it related to potentially not having earned $5,000 in the past year? Was it related to earning more than $1,000 in the past 4 weeks? So, and then we methodically got to work and following up. Sometimes it was a matter of, we need more information to determine if you actually met this criteria. Sometimes, and in the case of advance payments, for example, we knew right away. So, of the $4.6 billion that the Auditor General identified as having people ineligible, we identified 1.8 million people. 3.1 billion of that had to do with advance payments. We tried to get money out quickly. People got advance payment if they stayed in the CERB system. That was methodically recovered as a matter of course. If they didn't, we had to get it back from them. So we sent the letters to 1.8 million people. We've recovered 1.3 billion of that money. We are working on individualized payment plans for the others. But it is risk-based. It isn't a matter, and all of these buckets will not be addressed every single person. It's not how the Government of Canada addresses follow-up of this nature. But I can assure you, we have reviewed every single file in all of these buckets. And there are other ones. Those are just the big ones. But we're very interested in the fairness aspect that the Auditor General identified. But the work isn't done, right? We paused repayment during Omicron. We paused repayment when the Canada Workers Benefit came out. Like, we're trying to work with Canadians in a very difficult time, and I wouldn't mistake a lack of aggressive pursuit for not doing it. It's just we're being compassionate. When it comes to businesses, do you regret that there weren't controls put into place as you kept extending the wage subsidy program the way that you did with benefits for individuals? I can tell you I have no regrets. I think if I look at my own riding of Delta, businesses, many only exist today because of the work that we did around the wage subsidy. Madame Le Boutillier can give you more details around the follow-up. It's a CRA lead, but I don't have any regrets on that. The Auditor General said that with time, the CERB and those kinds of benefits for individuals were adjusted, but there was nothing being done with the wage subsidy, and a lot of economists have raised the point that it was kind of very loosey-goosey. It went to a bunch of businesses that shouldn't have gotten it. Yeah, I unfortunately don't think, Madame Diaz, tu peux répondre à la question sur le wage subsidy? I apologize. I was so focused on individuals during this time that it wasn't. I can't answer that adequately. $27.4 billion, the other pool of money that was identified by the AG, not the $4.6 you were just talking about. Will the CRA, will ESTC, will they pursue some follow-up on this amount? And we are pursuing, absolutely. So again, on the individual benefit side, we have other kind of buckets, as I've said, that we're methodically going through lists. On the wage subsidy side, which is, I want to say $15.6 billion. I apologize. I want to make sure I get my numbers right. But absolutely, we are absolutely following up. Why not just forgive it? It's a good question. And it's right now, our thinking from a matter of fairness is Canadians are fair-minded. Canadians understand. A lot of Canadians have paid back these overpayments. A lot have negotiated repayment agreements. So we are trying to balance risk and fairness and get to a point where the best way forward is
is pursuing, but not putting, not jamming Canadians. Madame Le Boutier, juste une dernière question. Sur le plan que demande la vérificatrice générale, elle demande un meilleur plan de vérification que celle qui sont déjà faites, que celles qui sont déjà prévues. Là, vous dites, vous défendez votre plan, vous défendez le travail de vos employés à l'Agence du revenu. Donc, est-ce qu'on doit comprendre que vous refusez qu'il y ait une révision du plan actuel? Mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le plan, puis dans les discussions, on va avoir des discussions avec la vérificatrice générale pour voir aussi avec elle comment elle voit qu'on pourrait améliorer le plan. J'aimerais avoir aussi ses idées. C'est pour s'il y a matière à améliorer. Il y a toujours matière à faire mieux. Mais je peux vous dire une chose. Si on avait à recommencer ce qui s'est passé, je referais, et le gouvernement, je referais exactement la même chose, les mêmes programmes pour sauver les vies. Puis dans les rencontres que je fais avec les gens du milieu, que ce soit auprès là, des groupes qui travaillent, des bénévoles qui aident les gens, au niveau des entreprises, au niveau... Tout le monde me dit, heureusement que ce n'est pas les conservateurs qui étaient au pouvoir. Donc, je suis très fière du travail qui a été fait. Il y a la TPS, Mme Le Boutillier. La vérificatrice générale a calculé à partir de la TPS en disant il y a des entreprises qui ne rencontraient pas les critères. Si on analyse leurs résultats de TPS, ils ne sont plus admissibles à l'aide, à la subvention. Il y a un bon travail qui a été fait par l'agence, on a aidé nos entreprises, on a gardé les liens d'emploi entre les employés et les employeurs. On est le pays qui est le mieux organisé au niveau de la reprise économique. Puis comme je le dis, je suis très fière du travail qui a été fait. Vous ne voulez pas dire si oui ou non vous avez vérifié la TPS? Vous refusez de dire si oui ou non? Do you have any hope that the remaining doses that you have can be distributed to international organizations? Is there still a demand for it? So, first of all, we knew that as the virus spread across the world, that Canada needed to do its part. That's why we announced the 200 million equivalent doses to go through COVAX. So, first of all, it was when the need was there, we had to work with the absorption capacity of every nation. So we have allotted the various doses to COVAX. Right now, I can tell you, we just had a meeting last week with about 82 nation representatives on this. Work has gone well for getting the vaccines into people's arms. The need for additional doses will be determined by COVAX. That has significantly reduced. One of the things that we're focused on now is actually reinforcing the health systems within those nations. So if a pandemic was to come back, that we would have the ability to be able to equitably distribute vaccines in the future. Mr. St. John, just something off topic a little bit. There was a decision on Danny Fortin's trial. Maybe I have no comment able on, to comment on that? No, I have no comment on that. You're saying that COVAX doesn't want the vaccines anymore and the world has moved on from this ask? No, not at all. In fact, actually, we've been continually assessing which each country's needs have been. So every nation is making a request through COVAX for what those needs are. So, for example, in some areas where there's a need, they have to be able to have the cold chain system set up. So we focused a lot on that as well. So that's what I mean by absorption capacity. And I've visited some of those nations, and in most of our vaccines have gone through COVAX. Some have gone bilaterally. But one of the key takeaways that we get back from the actual nations themselves, rather than us saying, hey, here's some vaccines, and we drop it off, and letting them try to deal with it. We had to work with them to making sure that they had the ability to actually get vaccines into people's arms. And key takeaway for this is that we need to help the developing world in reinforcing their health systems, not just for this pandemic, but there's a key component to the pandemic is that as we talked about COVID, there are other challenges that took place within the developing world, especially when it came to other diseases. How much? Thank you very much. Okay. This is not a How many doses have we given to COVAX? And how many more do we have left to give?